La même question que tout à l'heure. Voilà. Qui gagne en combien de temps? La personne qui trouve la bonne réponse ou qui est le plus près gagnera une clé Dota 2. C'est une de nos dernières actuellement qu'on met en jeu. Il nous en reste plus énormément, je vous avoue. Il doit nous en rester 4. On en rechoppera sûrement plus tard et on fera des concours plus importants, je pense, plutôt que des concours sur des juste sur des voilà, je trouve pas le mot, mais je me comprends. Sur des streams. Alors la game qui vient de débuter, bienvenue sur enfin toujours bienvenue sur la Frogat TV avec Luciano et Voja. En direct pour la finale du BNQ Dota 2 Tournament entre M5 et N9. Les deux équipes qui nous ont montré deux très belles games. J'espère que le dernier ban d'ailleurs des M5 sera anti-mage pour l'éviter sur cette phase de pique. On verra un peu comment ça va se passer. Dans tous les cas, le BenQ Tournament qui va toucher à sa fin, il y a eu énormément de matchs. Ça s'est passé sur 2 jours. Et il y avait énormément de belles équipes et le ban anti-mage, merci à eux. On va enchaîner sur les autres bans dans tous les cas, avec Balanar et Broodmother côté N9 et le Venom qui est ban côté M5. Voir que le Venom a été joué dans les dernières games que j'ai cast, donc c'est-à-dire les 4 dernières games de N9, il a toujours été joué. Sauf la dernière peut-être d'ailleurs, je me souviens plus. La dernière il a pas été joué il me semble, donc il a toujours été joué par N9 ou presque. Il a vraiment un rôle très important dans cette équipe. Il le joue de manière très très correcte. Et c'est le pick Furion. Alors on a vu Furion perdre 2 fois de suite. Il est toujours first pick parce que ça reste un héros très intéressant quand il farme beaucoup. M5 choisit de son côté de prendre la leash en instant. Qui est un très très bon héros. On a pu le voir en teamfight tout à l'heure. Il est où Furion? Ah le voilà. Oui, le J'avais voilà. pas vu Furion. Si si, il est là. Bah si encore, puisque tout simplement j'ai pas envie de poser d'autres questions. Sinon je vais poser des questions trop faciles ou trop dures, et j'ai pas envie de jouer ça autant, ni de remettre la clé en jeu. Donc du coup, bah voilà, je pose cette question, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Et puis voilà, bref, les picks qui s'enchaînent. Enfin, qui s'enchaînent pas vraiment, justement, puisque M5 hésite sur son second pick. On va voir ce qu'il décide de prendre. Oui, pardon, je suivais une discussion sur le chain IRC. Ouais, donc oui, Lich, un pic solide qui est absolument indiscutable. Qu'est-ce qui resterait? Peut-être ancienne apparition, ça fait un bail qu'on n'a pas vu l'ancienne apparition. Je crois qu'il a toujours été ban dans les deuxièmes phases de ban. On a vu pop un Omni vaguement tout à l'heure de la part de XP. Il y a toujours des pics extrêmement solides à faire à ce stade de la game, qui sont Tide, Shaker, Wind, voilà, Wind, elle est là. Alors Wind n'est jamais ban ou presque, mais parce que c'est pas un héros si important, pourtant c'est un héros toujours pick dans les 3 premiers. Parce que c'est un héros important à avoir, mais c'est pas forcément un héros qu'on n'aime pas avoir contre soi. Voilà la principale raison, c'est un héros très complet à mon avis. Sûrement un des plus complets d'ailleurs de Dota 2. Ouais, clairement, c'est un héros qui se rapproche quand même pas mal du Furion dans la possibilité qu'il a de remplir à peu près n'importe quel rôle. Le Furion a encore plus de polyvalence avec sa mobilité et sa possibilité d'aller dans les bois, mais la Windrunner peut être mise en support, en light carry, solo lane, en utility, enfin, ça peut vraiment un peu tout faire. N9 qui va aller prendre Rasta, Shadow Shaman, pardon, je vais continuer à dire Rasta parce que c'est comme ça depuis toujours, je vais appeler Shadow Shaman Rasta, que vous sachiez. N9 qui prend Rasta Weaver. Et alors M5 qui nous sort Slarda, long time no see Slarda. Ça fait longtemps, c'est sûrement
pour un peu essayer de contrer la Weaver, même si c'est pas un des meilleurs héros à moitié qui à mon avis qui compte la Weaver. En tout cas, il leur faut toujours un carry chez M5, sauf s'ils décident de faire une line-up centrée autour de Slardar et donc d'un mid-game assez fort, ce qui pourrait très bien se faire d'ailleurs, avec des héros assez puissants à côté, pas forcément en carry. En tout cas, les bans qui continuent, ban côté N9 avec Enigma et Puck, des bans très intelligents à mon avis, hein, parce que le Puck on le voit pas souvent ban, C'est les deux counters à Weaver. mais c'est les deux counters à Weaver et surtout c'est vraiment des héros que M5 aurait pu prendre, qui auraient très bien pu rentrer dans cette line-up et qui auraient très bien pu rentrer dans les plans d'un mid très très fort. Du côté M5, on a Banshen. Pour le moment, je vois pas trop l'intérêt de mon côté de Banshen. Je comprends pas trop ce ban. Est-ce qu'ils ont peur qu'ils pushent trop avec Shen, Furion, Rasta? Ça quand même, ça commence à faire quand même beaucoup de push à gérer. Ouais, mais Shen, d'accord, ça va faire beaucoup de push à gérer, mais d'un autre côté, Ça fait pas des lanes fortes, on est voilà, ça d'accord. fait des lanes un peu pourries et il suffisait de prendre un ES derrière pour calmer tout ça. Un Sand King côté N9, on va revoir le Sand King, moi c'est un héros que j'adore, donc je suis vraiment Ah. très content. Pique tout le temps dans la finale là. Les Ouais. deux premières games il a été pique, il a encore de nouveau pique maintenant. Maintenant, est-ce qu'il est autant justifiable que précédemment étant donné qu'il y a un Slardar en face? Slardar étant très bon contre Sand King, non seulement parce que ça empêche le Sandstorm, mais parce qu'en plus, si jamais le Sand King arrive à Sandstorm, il peut le stun et le sortir de sa Sandstorm facilement. Et il a aussi l'Amplify Damage qui garde la visu, donc qui peut révéler le Sand King alors qu'il channel son ulti. Slardar qui est quand même globalement un très bon héros contre Sand King, donc Sand King qui est peut-être un poil moins justifié là, mais qui reste extrêmement sympa et je suis aussi très content de le voir à l'œuvre une fois de plus. Mirana, ça fait longtemps, on l'avait pas vu, je l'ai pas encore vu jouer aujourd'hui, si une fois je crois. N9 qui va prendre le A, qui va avoir un teamfight assez puissant avec des sorts d'AOE, Sand King, Furion, A très très puissants qui peuvent évincer une équipe très rapidement. Là par contre pour le dernier pick des M5, je suis complètement aveugle. Je sais pas du coup sur quoi ils peuvent partir. Un machin dans les bois peut-être, puis ça ferait deux solo lane à base de Wind Solo, Potion Solo et Lich Slardar. Une enchante. Darkseer. Tiens, ce serait pas la pire des idées, Darkseer. Hein. Franchement, Non, ce serait un bon pas. vacuum autour du Slardar avec l'ulti Lich à côté. Ce serait pas la pire des Ce idées, serait mais pas la maintenant c'est. pire des idées, mais à mettre en place et surtout à ce que ça soit utile, parce que derrière un vacuum, ça va pas se choper le SK qui est ulti dagger. Enfin, en théorie, de toute façon, tout peut se passer. Et ce serait pas la pire des idées, mais c'est pas le plus facile à. Puis du coup, à lane derrière, c'est plus Ah, compliqué, c'est le dazzle. ils vont aller terminer leur tri lane en fait, plus simplement. Ou alors peut-être que la Windrunner, tiens, ça c'est théorie craft à 200%. Est-ce qu'ils auraient l'envie de mettre la Windrunner en support et de solo le Dazzle? Dazzle solo qui était assez populaire à une époque et que personnellement je trouve très 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 fort, mais ça c'est mon avis à moi. Ouais, Dazzle solo, c'est vraiment très très fort. Ça a une très bonne anime attaque, ça tape très fort. Et avec du level, son heal fait beaucoup beaucoup de dégâts. Donc moi. Ah, mais c'est NS qui le joue, donc ce sera pas un Dazzle solo. On voit quand même très rarement NS jouer des solos. À mon avis, on va pas avoir trop de surprises en termes de lane. Ça risque d'être une espèce de tri-lane Slardar, ouais. Ou peut-être une dual lane Slardar mid et win quelque chose en bas et pas tout top, je pense. Je vous rappelle qu'il reste moins d'une minute pour parier sur qui va gagner et en combien de temps pour gagner une de nos dernières clés Dota 2 pour le moment. Donc dépêchez-vous, suffit d'envoyer un petit message à FTV Luciano sur le chan MIRC Millennium.tv.dota ou sur le chan Frogget TV. Voilà. On Oh va. putain, je suis arrivé fatigué. Il faut se réveiller un peu. Sais que je vais t'abandonner une minute, je fais chauffer de l'eau pour un café. Comme ça, je pète la forme pour le reste de la game.
Je t'abandonne Ouais. lâchement. Alors ça va être une tri-lane autour de... Non, ça va être deux double lanes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Un Slardar Solomid? D'accord, les N9, il est 10 h du matin chez eux. Il est 10 h du matin chez eux, ils ont joué toute la journée pour nous. Donc ils ont joué toute la nuit, ils doivent pas être en grande forme, les 30 N9. seconds to battle. Mais putain, je vous dis chapeau, messieurs les Australiens. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir dans ce tournoi. Et donc du coup, ça sera une tri autour de Slardar Mid, j'ai l'impression. Ça c'est très intéressant de voir Slardar, enfin une tri lane mid face à un Rasta qui va rien pouvoir faire. Une solo wind contre une solo Weaver. Et ça va être une tri sur la Mirana. Mirana qui va avoir qui va avoir du mal effectivement. Je sais pas si ouais. Est-ce que le Nature Prophet va rester. Va rester top, on va voir ça. En tout cas, ils vont être trop au milieu, ça c'est sûr. Alors ça y est, hein, il est 22, 23 h 48, je prends plus les PM d'après pour la clé. Le sort est scellé. Allez, Ajacta S. Et donc c'est... Non, c'est pas vraiment une triche. Je pense que le Dazzle, voilà, le Dazzle va remonter alors qu'il y a beaucoup d'engage sur la Mirana. La Mirana qui jump instantanément, qui a pris le leap au niveau 1. Et c'est bien joué. Qu'utilise sa salve directement, je trouve ça un peu étonnant. Le SK qui commence à bouffer des creeps, des tangos pour rentrer et pour pouvoir la stun. Le Dazzle qui est là, qui va venir des wards ici. Alors que la Weaver s'amuse un peu avec la Windrunner. C'est vraiment une lane difficile pour Windrunner. Même si, oh là, il y a une flèche mise sur risque qui va prendre un peu de dégâts. C'est bien joué de la part de la pote qui profite de toutes les options. Alors que du coup, ça se transforme en double lane. Faut qu'il fasse attention au milieu. Hein. Faut qu'il fasse vraiment très attention. Suffit d'un beau shackle et d'un call feed juste après. Et ça va leur permettre, voilà, exactement ce que je disais. Un call feed, oh là, ça dure pas assez longtemps. Il va quand même être stun. Est-ce que ça va être le first blood? Il manque un coup. Ouh, il manque un coup sur God. Et du coup, le Rasta qui prend beaucoup de dégâts, qui va prendre un Novat derrière. Ah non, il s'est pas lancé. Oh là, Dredd qui s'avance beaucoup. Dredd qui meurt du coup. Le Rasta qui va peut-être mourir dans le TP du Furion. Et God qui arrive quand même à s'en sortir. Est-ce qu'il va tomber derrière? Ouais, il tombe quand même. Alors ça c'est du First Blood, ça c'est de l'action de First Blood, le Furion qui a très bien réagi et qui a TP directement. C'était le combat des pixels. Il C'était le manquait un combat, ouais. pixel pour tuer le Stardust, il a manqué un pixel pour tuer l'autre. Le Sprout qui l'a chopé, un pixel de pour tuer, ça. Enfin, c'était assez monstrueux. Ouais, c'était vraiment vraiment très très chaud. Alors Dredd qui a assez mal joué à mon avis, hein, qui aurait dû reculer, en même temps s'il avait reculé, tout ne se serait pas passé comme ça, mais c'était très agréable. Donc il y a déjà deux kills, je ne sais plus qui a pris le last hit. Bon, on va voir les... Je ne sais plus. En tout cas c'est Furion qui a last hit, donc c'est Rasta qui a pris C'est le Rasta first qui a eu le blood. first blood quand Ouais. même au final, c'est ça? Ouais. C'est Rasta. Alors, Fuzzy, pourquoi tu nous aimes? J'aimerais bien savoir tout ça. Et donc... N9 qui a vraiment tendance à jouer son Furion en dual lane. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Je sais pas si t'en as parlé pendant que j'étais AFK Pas par du là. tout, parce que je trouve l'idée complètement ridicule. Ouais, je trouve ça cool parce que ça change. Ils ont Oui, vraiment une d'accord, ça manière change, complètement mais... différente de jouer le Furion que la plupart des gens. La plupart des gens diront, bon, on le met dans les bois ou alors on le met en solo lane. Voilà. Eux, ils disent que dalle, on fait une lane Furion Sun King ou on fait une lane Furion Windrunner. Quelqu'un a déco, j'imagine, du côté N9, c'est le Rasta qui est en train de rentrer à la base d'ailleurs.
Ça vous permet de jeter un petit œil sur les CS en ce tout début de partie. On voit que N9, pour le moment, c'est pas trop la fête, étant donné, pardon, qu'il n'y a qu'une seule personne qui a passé la barre des 10, qui est la Weaver à 13. En face, on a Dengi à 14, et c'est Dengi qui lead la game. Ça veut absolument rien dire à ce stade-là. Donner la tête pour quelque chose pendant la pause. Et du coup, c'est le Rasta qui a pu avoir sa bottle, qui va pouvoir contrôler les runes. Y a le Sand King qui vient d'écale, il a été vu par l'équipe. Est-ce qu'on peut. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est The Radiant. Et The Dire, qu'est-ce qu'ils voient? Oui, tout ça. Les fogs? Ouais. Ouais, mais les fogs Truc des fogs. marchent Non, pas c'est du pas ça, tout en ça marche fait. pas très très bien. En fait, tu vois C'est les la deux musique. équipes en fait. Tu vois le fog des deux équipes. C'est complètement nul. Ouais. F1, tu as le fog. Enfin, c'est la butte basse, tu sais, avec le fog des deux équipes. F2, tu vois le fog des sentinelles. Et. Ah non, non, mais les wards, elles font bugger l'histoire. Hein. En Et puis fait, c'est les surtout, wards. regarde les towers en fait. Les towers donnent la vision à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc ça marche pas. You are right, les towers et les wards font bugger l'histoire. Ça marche pas du tout ce truc. Non, ça marche pas du tout. La game qui est toujours pause. Bah j'espère qu'il va revenir quand même. Ce serait dommage pour N9. Il n'y a eu aucune complainte sur les lags, par contre, alors visiblement ils ont trouvé des serveurs qui ont l'air d'aller plus ou moins Ouais. aux deux équipes. Ce qui est cool quand même. Qui est un peu cool, effectivement. Probablement que ça joue avec un petit peu de délai, mais si le délai est équivalent, enfin si le délai est pareil des deux côtés, c'est bon quoi. Hein, c'est pas les teams soient sur le même pied. Ouais, exactement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, du coup, bon, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Du coup, ça nous permet un peu de tout voir. Il y a Lucky qui floute quand même beaucoup le chat. Son live join. Est-ce que je me mets en arrêt pour le boulot demain? Bah ça dépend, c'est du BO3 ou du BO5. Je vais demander. Ah ben non, j'ai déjà parlé. Mais je peux plus demander. Ah attends, mais j'ai pas parlé. Alors. Oh boy! BO5, ok. Oh boy. Ok. D'accord, tout le monde rigole. Vilaine qui nous a troll en direct. Putain. Pouf, j'ai eu peur. Et du coup, bah, tout le monde a gâché son truc de parole, donc personne va Plus pouvoir dire le personne ne go. peut parler, ils sauront jamais quand est-ce qu'il faut re. Faudrait qu'il fasse une pause repose rapide. Est-ce qu'il y a encore des clés à gagner ce soir? Ben, je crois que le dernier. C'est fini le dernier concours, non? Bah si c'est BO5, je sais pas. C'est BO5 ou pas? On sait toujours pas Bah non, alors! on sait toujours pas avec ces conneries, je pense que c'est BO3 à mon avis, hein. Ça m'étonnerait qu'ils fassent un tournoi online en BO5. De toute façon, il y a très peu de tournois Dota qui se finissent sur un BO5, tout simplement parce qu'une game de Dota c'est 1 heure, et qu'un BO5, si vous faites le calcul, ça fait 5 heures. Et qu'un match de 5 heures c'est long. Une possible bru. C'est une posse brue, exactement. Non, non, je pense que c'est Vilat qui nous a troll. Je pense qu'on a posé une question débile et qu'il nous l'a bien rendue dans la gueule. Bah, Dendy qui était le dernier à pouvoir parler. Voilà. Plus Ah, parce personne ne que peut parler, je c'est vous la explique, merde. hein, parce que vous n'allez peut-être pas comprendre la blague, mais Oh putain, c'est bon, y a plus personne qui peut parler. Non, vous allez pas comprendre. Enfin, vous pouvez pas comprendre pour le moment, puisque en fait, dans une pause Dota 2, on ne peut parler qu'une fois. Tu vois, comme vous voyez, je vais essayer de parler et ça n'écrit rien.
simplement c'est Steam qui fait ça. Chaque joueur peut parler qu'une seule fois en Voilà, fait. chaque joueur peut parler qu'une seule fois et J'attends qu'il raconte encore des trucs. putain, il y a Chatan qui vient. Mais là, ils vont jamais. Et Toby-Wan qui troll. Et voilà. Toby-Wan qui dit Toby-Wan alors qui dit Austin a trouvé malin d'utiliser sa seule ligne, enfin la seule ligne qu'il peut écrire, donc c'est l'autorisation de parler, donc je vais utiliser la mienne aussi. Plus personne ne veut parler. y a pas de Il y soucis, en a Luc. peut-être un qui peut encore demander Sigo, mais personne pourra lui Mais répondre. je crois qu'il y a le. Il y a le co-caster de Vilat, AK, je ne sais plus. Frost Bon, quelque chose. ils vont se Bon, sur ils vont se Skype. démerder, à mon avis. Mais là, plus personne peut parler. Et j'espère qu'on va pas attendre trop longtemps, quoi. Je pense que N9, ils vont relancer et ils vont repose au besoin. On n'aurait jamais dû poser cette question en tout cas. Voilà le Shadow Shaman qui vient de se reconnecter. Donc ça devrait partir soon. Il y a eu des pings, alors faites attention au bruit, il y en a eu deux. Ça va vous péter les oreilles. Deux, je pense qu'il y en a eu 54. Oh, il y a un Reddit, tiens, il y a quelqu'un. Ah bah oui, c'est le joueur, mais. Ah, mais il n'existe pas en fait. We can't type. Quelqu'un qui dit We can't type. Ok. Ouais, c'est copié de CS1 pour si c'est exactement. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Steam, j'imagine que oui, et je vous avoue ne pas connaître vraiment l'intérêt. Je trouve ça un peu dommage aussi de pouvoir parler qu'une seule fois parce que. Et je me souviens que les premières parties de Dota 2, notamment à la Gamescom, il y en avait pas mal qui s'étaient fait avoir. Donc voilà. Ouais, moi j'ai la première fois j'ai cru que tout était buggé, que j'avais planté et tout, je pouvais plus parler Ouais, depuis moi ça. aussi, ouais. C'était une déco reco, je pouvais plus parler, je comprenais rien. Du coup, je suis plus du tout concentré sur le jeu. Je ne sais pas ce qui se Ah. passe. Est-ce qu'il y a on invise autour du mid, en smoke, pardon, pour on invise, qui a l'air de vouloir préparer un gank. Est-ce qu'il va se faire voir par la liche? Oh, de justesse passé, engagé d'ailleurs sur le slard d'un mid là. Il y a eu le cold feet. Le chacal, le stun du Sun King, même le Furion qui s'est joint à la bataille, le Furion qui risque par contre de se faire choper au passage. Est-ce que ça suffira à le tuer? Non, ça suffira probablement pas, le poison n'est pas assez haut niveau, je pense. La Leech qui a eu la très mauvaise idée de se diriger du mauvais côté, et Dredd qui va y laisser sa peau aussi. Ne reviens pas, NS, n'essaye pas de le sauver, c'est très bien. Good boy, double kill pour le Sun King. Et ça, alors, N9 a tendance à faire bouger ses Sun King assez tôt dans la partie, et pour le moment, ça leur réussit très bien. On se rappelle de la première game où Sun King était venu aussi faire un décal mid qui avait fonctionné. Et du coup, on va en profiter vu qu'on ne l'a pas fait. Le point pour notre CS, on n'a pas eu le temps de le faire pendant la pause, à mon avis. Donc on le fait maintenant. Le point sur Et quoi? point sur les CS, Mirana et Weaver qui sont au même point. Mais je l'ai fait en plus! Tu l'as fait, mais je t'ai mute. Je ne t'écoutais pas. Non, mais je devais manger, je pense. C'est pour ça que j'ai pas dû t'entendre. La Leech qui va essayer d'aller choper la régène. Et il y a un TP du Furion sur la Leech. Et Dredd qui a essayé de TP, qui l'a gâché et qui va mourir. Rasta qui est venu pour essayer de la stit. Mais non. Alors, en tout cas, N9 qui joue pour le moment, toutes ses actions ont été basées autour du cold feed de l'ancienne apparition, et c'est vrai qu'ils ont vraiment tout pour faire fonctionner ce cold feed. Ils ont un chacal Rasta, un Sprout Furion, le Stun Sand King, juste la Weaver qui peut rien faire avec le cold feed, mais
Mais s'ils veulent Ah faire bah croc ce si. Goldfield, ils peuvent le faire croc. Si Furion met le spot sur la Weaver, ça fonctionne. Ça fonctionnera même. Furion met le sprout sur la Weaver. Mais non, pas du tout. Ils sont dans la même team. Je viens de comprendre. C'est la fatigue. Voilà. C'est Not sure if trolling or just very stupid. Just really stupid. C'est la réponse. C'est Jill Lane mid au final qui tourne quand même. J'ai pas vraiment regardé, mais à mon avis, elle est sacrément l'avantage des N9 là qui peut même mettre beaucoup beaucoup plus de pression, étant déjà double range à la base et ayant une combo de sort qui ressemble à quelque chose. Bah pas tellement au final, hein. Vraiment pas du tout même. Au niveau des lastites, ça se confirme pas du tout. Ah ouais, quand même, je vous. Le Dazzle qui s'égrave. Pour une raison qui m'échappe, mais il s'égrave. Tant qu'à faire, alors qu'en haut de la Mirana, j'ai vu juste la fin de l'action. Il y a eu une belle arrow qui a touché, qui a été suivie d'un Nova de la Leash, et qui a suffi à tuer le Furion. Toujours essayer de garder un œil sur Dendi, il fait des trucs étranges. Comme des ultis en arrière. Mais... Mais ouais, Dendi qui aura fait le stand-in pour M5 pour toute la partie. Et du coup, il y a une engage sur le sur le Dazzle, Dazzle qui n'a plus son grave et qui meurt très rapidement. Ils ont une très bonne combo. Hein. Ça gagne partout du côté N9. Ils font le jeu à la russe et ça me plaît. Ça me plaît. Au moins, il y a de l'action. Il n'y a pas beaucoup de farm, mais. Mais c'est cool, c'est intéressant parce qu'en plus leur carry c'est vraiment un héros qui peut blesser tout seul. Ça a besoin de personne une Weaver, Ouais, ça sauf que bon ça se pour fait l'engager engager, qui hein, ça fait se fait engager. Là, il est stun, là, il est visible, il n'y a plus son Tsukushi maintenant. Il met un ulti, il va pouvoir Tsukushi direct. Il était 6, ah, il l'avait mis. Ouais, c'est vraiment très fort, hein. Weaver à gank, c'est très très compliqué. Ah, et du coup, ça leur permet vraiment de roam ou de gank comme ils veulent avec leurs 4 autres héros, parce que la Weaver a potentiellement besoin de personne en fait. Elle se débrouille, elle peut dodge les ganks plus ou moins tout seul, toute seule, elle farme bien. Bah exactement, hein. C'est-à-dire qu'il faut lui faire beaucoup de dégâts à la Weaver pour la tomber là. Bon, elle a 663 points de vie, mais faut les faire potentiellement en 2 secondes, sauf s'il y a une dust. Et du coup, SK qui vient, qui a pas son ulti, y a le Slardar qui revient et qui va voir le SK. À mon avis, ils vont se croiser. Voilà, c'est fait, ils se sont vus. Il y a ulti posé par God. Et il y a le Dazzle qui va arriver, donc il y a un gank qui se prépare en bas. Pendant que N9, les deux mids sont partis au top. C'est intéressant parce qu'ils ont changé la line-up de base. À la base, le Rasta devait être solo mid et ils ont ramené le Rasta et c'était très très bien joué. Ça leur a permis d'être un peu plus tranquille. Une sentry qui a été posée par les M5 en bas. Tiens, pour donner un petit peu de contrôle de ligne à la Windrunner, je suppose. Et on voyait que le Slardar était là pour essayer de s'avancer le plus possible pour pouvoir mettre la pluie sur la Weaver, le petit nuage de pluie. Par contre, tu nous as pas chanté la fourmi, donc je propose que tu le fasses maintenant. Ah, et j'ai link en plus, mais non, parce que Mais j'ai pardon? prévu mon coup, mais j'ai link le lien de la chanson, comme Mais ça tout le monde l'écoute, et puis ouais. ensuite tu peux la chanter, puis les gens y reconnaissent. Bah chante maintenant alors. On connaissait la chanson de la fourmi, ça fait La fourmi veut pas donner son miam, miam, la fourmi veut pas donner son miam, miam, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est une vieille emmerdeuse, puis après je me rappelle plus. Et on chantait ça quand j'étais gamin. De la chanson de la fourmi, alors à chaque fois que je La vois Weaver, ça me fait vache. penser à cette Oh chanson. putain. Merci à toi. Voilà. Ouais bah putain, j'espère vraiment que c'est pas au BO5, hein. J'ai encore plein de chansons sur les insectes si vous voulez pour après. Ouais, putain, est-ce que t'as le cafard ou un truc comme ça? Putain la Ah, le vache. cafard, hein. J'ai pas de chansons sur les cafards. Chanson, c'est l'araignée gypsy qui monte à la gouttière, mais quand vient la pluie, gypsy tombe par terre. Enfin, T'as une enfance horrible. ah, attends, ouais. C'est l'enfant suisse, nous on est élevé à coups de chansons sur les insectes.
Oh Problème? putain, la vache, ah, tu m'étonnes que vous êtes aussi amorphe dans la vie. Oui, mais tu vois, l'araignée n'est pas un insecte, c'est un arachnide, ta gueule. Ouais, tiens, ça je suis assez d'accord. Je suis super connard. L'araignée n'est pas Ouais, j'en peux tellement plus. Je suis complètement bugué dans ma tête. putain, Qu'est-ce qui se c'est... passe sur la game sinon? On regarde du Dota, vous êtes en direct de la Ouais, chaîne vous êtes de en direct Rocket pour Billy? regarder du Dota perso. J'ai l'écran, je bouge l'écran tout seul. Je sais pas du tout si je regarde les bonnes actions. Dites-moi si je le regarde pas. Le J'ai type depuis l'impression tout à d'être l'heure, un il met la bot. caméra sur les petites mouches qui volent dans la rivière, tu sais. Il y a des mouches qui volent dans la rivière? Ah, Il y a comment des ils mouches qui volent? volent dans la rivière. Ah ouais, pas mal. Si. C'est joli, effectivement. Mais c'est pas En des même temps, mouches. Si, il y a des petites mouches là, effectivement. il se passe pas grand chose dans cette game, on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des tours? Visiblement la terre top a été prise par je sais même plus qui est par N9. Ouais, pareil, Nine, exactement. L'ami dont on l'a vu tomber tout à l'heure. Et Alors, est-ce est-ce que que ce tu qui se passe peux aller sur le site de BenQ pour... pour voir si c'est bien BO5? Ouais. Non, pour voir si c'est bien BO3. Ouais. Je reviens au même, mais je vais voir. Parce que faut me dire, sinon moi je vais me faire du café. Et puis je vais me Photoshop un petit arrêt maladie, et puis voilà. Attention, un super ulti qui est mis sur la Windrunner qui prend beaucoup de dégâts, qui va peut-être s'en sortir. Il y a un Sprout Furion sur le Dazzle, c'est assez bien joué. La Windrunner qui tombe quand même, notamment grâce à l'ulti A. Un superbe stun SK qui arrive à choper un ulti Lich qui va faire beaucoup de dégâts, l'ulti Lich. Ah, c'est dommage qu'il ait pas plus rebondi. Il a fait beaucoup de dégâts cet ulti Lich, mais au final, NN qui s'en sort vraiment très bien. Alors, la finale. J'ai l'impression que... Oh là, il y a eu une flèche sur l'ancienne apparition par Dendy. Je viens de voir ça. Et Dendy qui kill très facilement. Je rigolais pour le Photoshop si mes employeurs m'écoutent, bien sûr. Et Furion qui TP pour prendre la rune sous la barbe d'Andy. Alors, je ne vais noter nulle part, c'est pas indiqué si c'est BO5 ou... Donc du coup, ça devrait être BO3. S'il n'y a pas d'indication spéciale, à mon avis, c'est BO3. Ouais, je pense aussi. Cas, sur le site BenQ, y a rien nulle part. Voilà, quoi. Est-ce qu'ils avaient newsé sur GozuGamer? Je vais regarder. Il me semble, oui. Il me semble. La Weaver, j'ai pas regardé son farm à la Weaver. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a son Vanguard, elle a 1200 points de vie, elle a toujours pas de bot, donc qu'est-ce que c'est énervant. Bon, en même temps, on est à 14 minutes, pourquoi pas? C'est pas vraiment très nécessaire. Le Furion qui est vraiment parti en mode gang, il va peut-être ressortir un Guinzo assez rapidement, un Seat of Vice, comme on dit si bien. Le SK qui est très loin de sa dagger, mais qui gang. Et un... Oh là là, le Rasta qui a sa dagger. Hein. Contre-engage par la pote qui a très très bien marché, qui va permettre de tuer le Furion et le Rasta. C'est très très bien joué, il l'attendait je pense, hein. Et oh là là, il meurt quand même Mirana, triple kill de la... Non, il meurt quand même le SK, triple kill de Mirana. Très très bien joué, hein, de Dendy, qui a coupé le shackle, qui a permis de tuer très très rapidement le Rasta. Le Furion qui est venu se suicider. C'est M5 qui répond très très bien. Qui répond de la meilleure des manières. En prenant une tour. La Dendy qui a l'air de très bien se mettre, en tout cas on sait. C'est pas la mission que t'avais de regarder la partie, il me semble. Mais la mission a été un échec, il y a des infos nulle part. Ah d'accord, Isildur Partie a trouvé générale. l'info. Isildur nous dit que c'est marqué BO3 sur le Gozubet. Et donc c'est... J'ai été regarder le gosse du bête, en plus j'ai pas eu. Ouais, bah je Bon, crois que t'as oublié de mettre du café dans ton eau. non. Il fallait pas me faire chanter des chansons sur les insectes. L'araignée n'est pas L'araignée un n'est... insecte. J'allais T'es calme! le dire.
Alors la partie qui se stabilise un peu, Denji qui va être complètement farm, qui met un ulti pour la Windrunner, mais qui meurt quand même après un superbe ulti ancien apparition que je n'ai pas vu mais qui a touché. Le Dazzle, je sais pas ce qu'il fout, mais il se cache en tout cas. Et le SK il a rien. Il y a le TP Furion, ils vont essayer de push, voilà, direct. Les wards qui sont posés, les Treants qui sont pop, ils vont essayer de prendre la tier 2. Alors c'est pas super intéressant, hein, comme on l'a déjà expliqué pour M5, de protéger cette tier 2 à part pour limiter les golds pour L9, mais sinon en termes de contrôle de map c'est pas énorme. Il y a une flèche qui est partie qui va toucher personne. Ça ouvre un poil plus le Roshan, mais Mais bon, voilà. c'est non, c'est pas une tour très, c'est le side le moins grave à perdre en secours, en pardon, d'ailleurs. En dire. En Dire, Non, c'est the last important side for the Dire. non, 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 non plus. Ah, L'araignée n'est pas non. un insecte. Et La donc, Weaver, pas de bot. la Alors, Weaver, on va pas de donner une bot. clé de T2 sur à quelle minute est-ce que la Weaver fait des bots? Non, c'est une blague, hein, c'est une blague. Tu commençais pas à PM, Lulu. Ouais, putain, je vais avoir un de ces floods. Mais on pourrait en même temps. La prochaine fois qu'il y a eu qu'une Weaver par 100 bots, je la ferai. Marche. Sauf qu'il faut quand même réussir à check. Enfin, faut être tout le temps sur la Weaver, quoi. Pour à quel moment elle achète des bots. Bon, J'avoue. c'est un peu le souci, quoi. Et on demande à Toby si on peut avoir un co-caster qu'on engage pour regarder la Ouais. Weaver toute la game. C'est vrai. Votre mission, si vous l'acceptez, est de regarder la Weaver pour moi. Et noter la minute où elle achète les bots. Est-ce qu'il y a des items importants qui ont été faits dans cette game pour le moment, ou est-ce J'en qu'on est sais, tout... je sais pas du tout, je sais pas du tout où on est la game, malheureusement, je n'arrive pas à me concentrer dessus. Il y a Myrana qui a un peu de stuff, qui a fini son Yasha, qui va faire beaucoup de dégâts, je pense. Le Ouais. Stardar a son Vanguard, la Leech n'a pas grand chose, la Windrunner et le Dazzle c'est pareil. La Weaver qui a quand même beaucoup d'argent, hein. Ou le Slardar qui va se faire choper juste en terre rond. Il y a eu l'ulti qui était posé, le Stone Sand King, le Shackle du Rasta, ça devrait suffire à tuer God, effectivement, qui va mourir. Ils ont décidé d'aller tuer le Slardar plutôt que de défendre la tier 1 en bas. C'est une décision qui se respecte et qui se comprend. Ouais, Myrana qui farme très 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 bien. Qui a déjà 106 de dégâts. Qui a son ultimator, moi, qui va avoir Manta très rapidement. Moi j'aime pas trop Manta en first item sur pote, j'avoue. Alors là il va le sortir très tôt, donc ça va être intéressant. Mais je trouve que c'est un objet qui mène pas beaucoup de dégâts, de bonus dégâts. Et qui va engager le Furion. Alors je pense qu'il va pas aller plus loin à mon avis. Il va jump quand même pour s'en sortir tranquillement, mais Est-ce que c'est pour dispel l'ulti A, tu penses, le Manta First? Ça pourrait. ouais, ça pourrait effectivement, parce que ça... Ouais, Alors c'est un attention, truc. il y a une engage sur la Windrunner par le Rasta, mais il y a directement un TP Furion, un fake TP Furion d'ailleurs, pour le sauver. Il y a un superbe Shackle sur l'ancien apparition. God qui loupe complètement son stun, ancien apparition, et un ulti Leech qui fait un peu de dégâts, mais sans plus. Snoopy qui rentre dans sa niche et ça va s'arrêter là pour le moment. Il y a juste un King qui s'est sacrifié pour son équipe. Ouh, God qui traîne un peu là entre les deux tours, alors que je sais Santa pas trop ce aussi. qu'ils cherchent en fait. Ouais. Je sais pas trop ce qu'ils sont venus chercher, on a jeté un œil par là, mais ils vont retourner et ils vont essayer d'aller prendre cette tour. Et voilà, boum, l'ulti Furion qui vient sécher toute la vague de creep, au final ils prendront pas du Alors, tout la tour. voilà, j'ai cliqué sur le dernier bouton en haut à gauche. Yes, et je t'ai montré ce que ça fait. C'est pour super. C'est le truc pour aller sur le menu, non? Oui. C'est ça? Et sinon, si tu parlais de celui-là, c'est le combat log. Alors attention, il y a encore une engage sur un Windrunner par le Rastal. Windrunner qui prend beaucoup de dégâts, qui s'est pris un grave, qui va TP instantanément. Je trouve ça très très bien joué. Ça passe! Et Shadow Ouais, elle Shaman a quand qui a même pas tué, passé non. loin. Ouais, Shadow Shaman qui est Elle a... quand même mort par contre. Oh non, le Dazzle qui est mort, Le je dernier à confonds droite Shadow c'est la Shaman. croix ou la petite bûche c'est le combat log. Alors attention, hein, il y a Dendi qui y allait à 4 contre 1. Ouais, bah Dendi t'es peut-être très fort mais.
Et God qui est passé récupérer l'ancienne apparition Ouais, je viens de derrière. voir ça, ouais. Pas trop compris l'action de Dendi. Je pense qu'ils s'attendaient pas à croiser autant de monde. Ils devaient être dans leur move avec God à dire si mon arrow elle touche, on go. Et ils pensaient qu'ils étaient que deux en face et en fait bam ils étaient quatre et ils se sont un peu fait ramasser. Parce qu'effectivement il y avait une 5 secondes sur la Weaver, quoi. Il y avait moyen de faire quelque chose, mais l'N9 était 4 autour, enfin 3 autour de la Weaver. Ouais, effectivement, alors les viewers qui commencent à disparaître petit à petit, faut dire nous aussi, putain il est minuit 16, oh faut que je Il fasse faut un dire nous aussi, j'aime tellement. tour. C'est tellement vrai. Ouais, non mais c'est vraiment l'idée, ouais, faut que j'arrive à me mettre en arrêt demain je pense, ça me semble obligatoire, surtout si je veux avancer Face dans the Star Wars, powerful light. il faut que j'avance dans Star Wars alors. On est là, mais oui, mais nous aussi on est là. On est à fond, putain, on essaye de faire ce qu'on peut. On est motivé, j'espère que vous allez pas vous réveiller en retard à cause de nous demain. Enfin, si c'est le cas, j'en suis très content, mais quand même. Alors, il y a deux smokes côté. Il y a deux mecs en smoke côté M5. Je pense qu'ils aimeraient bien prendre cette tour. Ils ont pris la Dazzle qui terre lead en la bas. charge. Dazzle qui. Il lidait le mouvement. Ah, L'air de d'accord. dire, venez, j'ai un disable. Oh bah non, en fait pas. Il y a des Alors, bruits quand il bouge. Ah non, je vais pas parler de ça alors qu'on a une tour qui est sacrément attaquée. Ouh, un excellent ulti Sand King avec un ulti A qui va toucher. Très très bien, c'est un excellent gage ça de la part des N9. On va voir s'ils peuvent concrétiser. Le Stardar devrait finir par mourir malgré la grave. Dendi a réussi à tuer tout de même l'Orasta au passage. La Weaver qui va tenter de chase la pote. Ou pourquoi est-ce qu'il a cancel son TP? C'est pas grave, il avait son ulti de lancer que je n'avais pas vu. Au final, c'est un échange de 3 pour 1. Donc N9 qui a réussi à concrétiser plus ou moins son magnifique engage. Et à s'offrir 3 kills contre la perte d'un seul et unique héros. alors c'est, je pense que c'est Leash qui a posé deux wards au milieu, qui a complètement paniqué pendant le langage et qui a posé toutes ses wards d'un coup. Et dans les animes, les mecs ils se font pipi dessus. Voilà, le filet Alors, voir la liche quand c'est elle fait ça, ulti. c'est. Putain, non, on se fait un gage! Les wards! Je vois tellement la maiden paniquer, tu sais. Ah, et puis elle pose, blablabla, tu vois maintenant qu'il se pointe. Du coup, la dague SK qui a surpris un peu tout le monde, notamment moi. Le SK qui s'est bloqué d'ailleurs un peu n'importe comment. Alors, on va voir comment ça se passe par la suite. Je parlais des héros qui faisaient des bruits avant, je peux continuer? Le Dazzle fait du bruit quand il marche, le Pud il fait du bruit quand il marche, et le Rasta se fait sacrément engage par le Dazzle, le Slardar, la famille, boum, il est mort. Voilà. On m'a laissé poser, ils étaient 5 et ils vont enchaîner par Rochant d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont l'ulti Dazzle? Ouais, ils ont l'ulti Dazzle qui est en train de bounce gentiment sur eux, ça va leur donner un peu d'armure, ils ont. L'ulti Slardar pour réduire l'armure. Oh ouais, buyback du Rasta, mais ils seront pas là à temps, les petits N9. Il faut qu'ils aillent rapidement. Non, non, ils seront jamais là à temps. Ils vont peut-être, par contre, réussir à les sécher. Il y a l'ulti A qui est parti, le Furion qui est quand même sacrément devant tout le monde. L'Arrow qui va réussir à toucher le Furion. Excellent Arrow. Dendi qui a la Aegis, donc il n'hésite pas à lib dedans. Il y a le Sun King qui arrive, pardon, un petit peu de nulle part. Le Cold Fury qui finit par proc sur le Slardar qui va décéder. Dendi qui est encore au milieu du tas. On a beaucoup de buyback. Le Slardar qui buyback. Dendi qui tente bien ou mal de s'échapper, Il mais arrive je dans deux pense secondes. Ouais. devrait mourir, mais il a la Aegis, donc c'est pas la pire des choses. Maintenant il faut venir le sauver par contre. Ce qu'ils vont peut-être réussir à faire, la Wind est là, force staff alors qu'elle était en plein air en train de se faire stun, ça ne suffira pas, et du coup la tentative de sauvetage va peut-être se terminer en comme étant la moins bonne idée possible et imaginable, étant donné que les héros de M5 commencent à mourir tous les uns après les autres. Et le buyback du Furion qui va permettre de tuer la Windrunner et probablement le Slardar derrière. Une seconde pour le Sprout. Yeah, c'est parti. Mais la Culling Blade qui lui permet de s'en sortir. Il ne prendra pas l'ulti AA de peu. Et donc un fight très long, très épars. Un Aegis qui a été instantanément utilisé. Du buyback dans tous les sens.
concrètement, je crois qu'il y a 3 ou 4 héros qui ont buyback. Et N9 qui sort quand même avantagé de cette fight, je pense. Ouais, je pense aussi, même si M5 a réussi à avoir le bonus gold de Roshan, au final ils ont tout perdu en mourant tous un par un. Donc c'était pas forcément très intéressant. Alors voilà, la Lich qui a compris que quand elle se faisait engage, elle chiait à des wards, elle a fini par acheter des dust, c'est aussi bien. Elle pourra pas aller chier celle-là, puisqu'il y a un CD. Et le Furion, qui a de l'argent, qui va avoir son set of vice très bientôt. La Weaver, qui a Ouais, alors toujours qu'il pas vient de de buyback en plus, il avait vraiment beaucoup de thunes qui flottaient. gold. Il avait vraiment beaucoup de thunes. Dandy qui a un peu d'argent aussi. Le Slardar, je pense qu'il va partir sur un BKB direct. Ouais, il va probablement skip la dagger. L'avantage est quand même en côté N9 pour le moment, même assez nettement en termes de gold, 5 à 6K d'avance. L'avantage de kill aussi et l'avantage de tour. Donc N9 qui sont quand même un petit peu devant, mais là il y a clairement rien qui est joué, quoi. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Un BKB sur le Skarda, ça peut vite faire la différence. Dendi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui farme quand même pas mal, quoique là ça fait un moment qu'il n'a pas sorti un nouvel item, mais en tout cas qui a réussi à être assez décisif. Il y a la Radiance sur la Weaver, ça peut vite devenir problématique. Je sens Et qu'ils vont réussir à nous mettre une game qui va durer 1 heure et demie. c'est possible, mais M5 qui est pas dehors de la partie là, on pourrait Non, peut-être très loin. croire en regardant juste les items, les tours, etc., mais vraiment rien n'est joué là. Alors même s'il faut bien avouer que N9 est une line-up très plaisante et un gros gros team fight. Alors le deny qui a été loupé par la Windrunner. Non, il n'y a pas de dagger sur le Slardar, comme certains peuvent demander. Du coup, je disais que les vidéos YouTube seraient disponibles dès demain après-midi sur YouTube. Ça m'étonnerait, mes cocos. Parce qu'il faut que j'y retouche un par un et je vais pas avoir le courage. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de dagger sur le Slardar et que c'est une volonté de pas faire dagger dans cette game. Parce qu'en fait, si on imagine un fight où le Slardar va blink et stun pour engager, logiquement les M5 vont suivre le Slardar et essayer de rejoindre. Et si par malheur ils n'ont pas chopé le Sand King, ils se pack tous instantanément pour un ulti Sand King et un ulti A. Je pense que c'est dangereux de faire un dagger sur Slardar sur cette game. Et ils vont d'ailleurs essayer d'aller engager à l'ulti Priestess of the Je trouve ça Moon. très bien joué. Ils vont choper le Sand King. Ouais, je pense qu'ils vont tout lui mettre au Sand King. Oh, le Sand King qui a Oh! senti le coup. Je sais pas comment. Je sais pas comment le Sand King a senti le coup. Du coup, la fight est complètement débridée. Et c'est très difficile à suivre. Le Rasta qui va tomber après avoir mis son ulti. Le SK qui est toujours là, qui a toujours pas mis son ulti, qui s'est complètement bloqué n'importe comment. Le Furion qui prend beaucoup de dégâts. God qui est coincé dans le spot, qui va prendre beaucoup de dégâts. Un ulti SK qui est mis juste pour le Slardar. Dendi qui va TP, j'ai loupé la mort de Dazzle et de la Lich. Very laggy. C'est toujours ce qu'on dit quand on perd effectivement. De toute façon c'est en BO5 God, donc t'auras le temps de revenir dans la partie. Oh, ou Dredd et Deku. Ah, ça c'est emmerdant par contre. Si Dredd et Deku pendant la fight. Mais ouais, mais alors, autant l'idée de M5 à la base était vraiment maligne d'engager sous ultipote. Il y a une sentry, hein, l'endroit où le fight C'est pour s'est ça. fait. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est passé juste en range? Ils les ont vus au moment où ils ont passé dans le petit bosquet là, dans la petite ouverture entre les arbres. Ils les ont peut-être juste vus. En tout cas, le Sand King a eu une excellente réaction d'arriver à s'en sortir avant de se faire choper, et ce qui semblait être une excellente idée, une grosse occasion pour M5, s'est malheureusement retourné contre eux. Ah, malheureusement, ils ont perdu le fight parce qu'ils ont lag out juste avant le fight. Pendant le fight, une superbe flèche de Dendi sur le A. S'il y va, il meurt. Surtout qu'il y a Seat of Vice terminé sur le Furion. Donc Navi
Dendy. Il va falloir qu'il fasse attention. Un superbe shackle shot qui est enchaîné sur la Weaver et le SK. Un superbe ultilish qui fait beaucoup de dégâts. Il y a une dose qui est activée. L'ultilish qui bump et qui fait beaucoup de dégâts. L'ancienne apparition a quand même réussi à terminer le dazzle qui est le dazzle tout simplement. Mais l'ultilish. L'ultilish magnifique. C'est un. La Weaver a timelapse, s'est retrouvée collée au centre king et la poker face d'Ultilish qui fait ping pong ping pong. T'as une musique, t'as une chanson sur un ping pong ou pas? Sur un ping pong, attends, là, j'ai pas réfléchi. Probablement pas avec des insectes par contre. Oui, mais l'araignée n'est pas de ta gueule. On est désolé, hein, je pense que le shootcast se dégrade petit à petit. Mais ça se dégrade à l'allure que nous aussi nous nous dégradons. Encore une flèche lancée complètement random par Dendy qui va toucher à peu près la tour. Et la tour qui a plus de vie. Oh là là, Dendy, je suis sûr il a envie d'y aller avec son Manta. Il devrait y aller, moi je trouve. Surtout qu'elle va être deny. Non, il deny pas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il... Oh non. Oh, ça a failli très mal se terminer ce deny. Bah, ça fait très très mal se terminer. Non, qui est parti, ça blink out, ça touchera pas. Ouh, spoil that chat. Petit héros qui montre leur mécontentement en lâchant des phrases. Alors, je dis juste bonne nuit à tout le monde, à ceux qui vont se coucher, parce que je vois qu'il y en a qui y vont. Donc bonne nuit. Bonne nuit petits viewers qui sont bons. En espérant que... Bah, que vous ayez pas gagné de clé, hein. Ce serait dommage pour vous. J'avoue. En fait, les gens ils restent pas pour nous écouter parce que c'est vraiment de la merde, quoi. Ouais, je pense. Mais ils restent pour la clé. Je pense qu'ils restent totalement pour la clé, ouais. J'ai bien fait de faire une clé sur cette dernière partie. Ça nous aura permis, ouais, de garder au moins un peu de viewers. Moi, je donne une clé à celui qui chante des chansons d'insectes. Non, pas ce soir, mais peut-être une fois. Non, mais t'as pas de clé, toi. Tu rigoles? Comment t'as des clés, toi? Je veux des clés, j'ai des clés. Je suis beau, j'ai un monsieur. D'accord. Tu représentes la communauté suisse. Je représente tout ce que tu veux. Et du coup, il y en a qui reviennent. Il y en a qui ont hésité. Ils disent, ah, non, non, il y a quand même une clé. Vas-y, on va revenir. C'est... Et puis en plus, ils shootcassent vraiment trop bien. On va venir les encourager. Bon, la partie elle s'éternise, hein, pour moi, je trouve. Là, j'ai mon lit juste à côté qui fait coucou Victor. Viens vite me rejoindre. Parce que oui, je m'appelle Victor, je viens de spoil mon nom, putain, je suis vraiment trop con. Putain, c'est pas gagné, il commence à parler de comment il s'appelle et tout, c'est vraiment terminé là. C'est vraiment complètement fini. Il y en a un qui chante des chansons d'insectes et l'autre qui parle à son lit, putain. Ah la vache, là, ça commence à être compliqué. Je vous avoue que je suis en live depuis 17h, 18h à peu près. Ouais, tout est en live depuis un bon moment. Moi je regarde la conversation Steam, ça fait 4h32 qu'on l'a. Skype, pas Steam, ça fait 4h32 qu'on l'a lancé. Donc ça fait 4h32 qu'on caste nous deux. Et toi je crois que t'as commencé déjà encore un peu plus d'une heure avant moi. T'as fait une game? J'ai fait deux games avec Ray. Ok, alors ouais, une heure et demie on va dire avant. Mais c'est pas grave, j'aime ça, j'adore ça. J'ai toujours trop faim, ouais. J'ai bouffé deux parts de pizza qu'on avait mis au frigo hier soir et qui étaient complètement dégueulasses d'ailleurs. Mais j'ai faim. Bon, falloir qu'ils se dépêchent d'avancer. Bon, alors je sais que les NA ils sont pas pressés, il est que 10h30 chez eux. Mais nous il est minuit et demi et c'est pas facile, hein. Alors messieurs les Australiens, bougez-vous. Il va... niveau des avantages de gold, il y a ah, ça y est, tu lag, c'est parfait. Je lag? Mais en tout cas, tu as une voix de robot. Bon, alors c'est que moi, mais. God qui doit avoir son. Qui doit, ouais, voilà, il a son Black King Bar, il va se le ramener direct. Et ça va peut-être un peu changer les teamfights. Ils vont peut-être décider d'y aller sur le BKB. Bon, en tout cas, ils vont décider de def. Il y a encore un déco. Non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ça va nous obliger à nous concentrer sur la partie. On peut voir que
N9 a plus de 8000 gold d'avance. En item important, qu'est-ce qui se passe? Se passe pas grand-chose. Dandy qui part sur un BKB. Ça me semble pas. Rasta qui est presque BKB aussi, plus de Sanaya. Rasta aussi, ouais. Weaver qui est BKB, en plus de Radiance. Ça fait effectivement longtemps qu'on n'a pas regardé les items. Ouais. Et le prophète qui a beaucoup d'argent. Ouais. C'est Mais gentil, cache, on va Zacien. où? Je crois que je t'ai filé une clé, c'est peut-être pour ça que t'es aussi gentil. Ah non, ou t'as perdu. Non, t'as perdu une clé tout à l'heure. Excuse-moi. Excuse-moi. Le mec a fait l'ascenseur, il va se dire, tu sais, quoi, j'ai gagné une clé? Bah non, en fait non, sorry Non, bro. non, il était en finale contre Sinsoon. Et je leur ai demandé qui étaient les 4 membres de la Frogate TV. Le premier qui répondait gagnait une clé. Y a Alors. même le pote qui s'est barré du chain hier, c'est cute, tu sais. Non, il est toujours là, lui. Non. Si. Mais t'es sur quelle chaîne, toi? Tu la frogetti? Non, mais il est là, le cul. Je vais le slapper avec mon deuxième PC, rien. Je sais pas si je vais la mettre sur YouTube cette. C'est Oh, mais marrant, c'est pas possible! en même temps, vous remarquerez qu'on raconte beaucoup Mais n'importe regarde! quoi, mais qu'on rate pas d'action. Regarde, je l'ai. Mais c'est Regarde, je l'ai slap. Et juste après, il Mais a moi quitté. j'ai Q. J'ai slap Q et après, il s'est barré. Voilà. Eh, malin! Ah, Dredd qui a fait un smiley qui représente tout à fait mon état d'esprit actuel. Mais je pense que chez eux, il fait à peu près la même heure que nous, hein. Peut-être même 1 heure après. Hein. Ouais, Donc, je pense. oh la vache, je me suis bé dans l'œil, putain. Alors, Donc, on raconte beaucoup de merde, mais on rate pas beaucoup d'action. On rate rien du tout, même. On rate en pas même temps, il d'action. n'y a pas d'action, donc c'est pas difficile, hein. Pas difficile de pas en louper, on va dire. Non, on est quand même un peu concentré sur la partie. Force staff sur la Windrunner. Puisqu'elle l'a depuis un petit moment déjà, de toute manière. Là où il n'y a plus beaucoup d'argent, le SK, comme je vous le disais, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, une fois que le SK a sa dagger, bah tout simplement, on s'en fiche. Un ultipote, le mec qui lançait M5 qui nous refait une deuxième tentative d'un engagé ultipote, et là il va, on leur arrive droit dedans. Est-ce qu'ils vont arriver à all-in cette Weaver? Du moins ils vont essayer. C'est parti, est-ce qu'ils ont assez? Oui, ils lui ont mis l'ultiliche pour assurer le coup. Derrière, il y a le Rasta qui a réussi à bloquer le Dazzle. Rasta qui trigger son BKB Kane. Ah, mais ça ne suffira pas, les autoshots vont suffire à le tuer. Le Sand King qui essaye de s'échapper tant bien que mal, mais malheureusement, ce sera pas assez. Et du coup, il y a quand même eu 4 morts. J'ai pas vu mourir là, qui a dû mourir quelque part dans le tas. Du coup, il y a quand même 4 morts côté N9 contre un seul côté M5. Non, Une. reculez pas les gars, c'est le moment. Alors soit de faire Roshan. Ouais, je pense qu'ils vont aller Roche. Il est là d'ailleurs, Roro. Voilà, first hit bash. Et Myrna qui va prendre l'Aegis. C'est très bien joué, il y a un ulti gars qui va arriver, qui va faire un peu de dégâts, mais sans plus. Voilà. J'ai un peu de lag. Un Frenchy Bro qui vient d'arriver, qui vient de nous insulter et qui est reparti. Merci à toi. Et donc du coup, M5 qui joue quand même beaucoup sur la défensive sur cette game. Enfin, on dit ça alors qu'ils viennent de faire un engage de 5v5 dans les bois adverses. Mais j'ai Enfin, on l'impression dit qu'ils font. ça, s'il te plaît, tu dis ça. Je dis ça. Ok, je croyais qu'on était une équipe. C'est bon, tu voulais jouer solo. Excuse-moi, Je dis excuse-moi. ça. Bref, j'ai l'impression qu'ils font des raids en fait. C'est bon, les mecs, on farm, on défend la base. Et dans 2 minutes 40, on fait une petite escapade par la main bottom, dans leur bois, et on revient. Ouais, et du coup, ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Weaver qui n'a pas d'argent, ils ont vraiment. Alors, ils ont réussi à one shot la Weaver, c'est dommage qu'ils aient pris autant de dégâts du SK. Il y a une smoke qui est lancée côté N9.
On va voir ce que ça va donner. C'est une petite smoke pour faire genre ça. C'est venez, on met une smoke et on va dans la rivière. Bah, ils vont peut-être quand même réussir à choper un peu, hein. Ouais, ça peut donner. Ça peut. Ouh, j'allais dire, ça peut donner sur un gros teamfight, mais. Visiblement, ça joue au chat et à la souris. Ils sont pas du tout dans le même coin. Ah, ça y est, ils viennent de passer sur des. Ah non, pas encore. Pas encore, pas Si, encore. ils les ont vus avec le bout de la ward. En tout cas, N9 a vu M5 avec jusqu'au tout au bout de la ward. Là, ils ont vu la pote, mais il y a eu des pings de la part du Furio. Allez, M5 qui prend les choses en main et qui va reculer, Back. voilà. Ah, ah les enculés, putain, c'est pas possible. Après c'est vrai qu'il y a un Furion en face, donc déjà l'ulti Furion ça avance les lignes 24 sur 24, t'as pas vraiment l'occasion de repush une ligne et d'aller faire une Ah oui, action non, mais parce certes, mais bon, il est quand que même 20 minuit et secondes. demi. Alors, je veux dire, au Bon, bout partie de d'un. minuit et demi, y a plus d'ulti Furion. Voilà, non, mais il y a des super-héros, certes, mais il faut avancer, quoi. Putain. Bon, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Parce que moi, mon Photoshop, je le fais à quelle heure? Hein? Furion qui a fini une cuirasse, tiens, faut que je clique sur les gens, il y a des items à 4 kagol qui apparaissent. Bah on s'en Furion qui a doute fini une cuirasse. tellement. La Weaver qui n'a toujours rien du tout, enfin rien de plus, je parle. Le Sand King qui va partir sur Shiva, je pense. Effectivement, cuirasse sur Furion, c'est étonnant. Il a pas fait d'Aghanim. Pourtant, un build assez très souvent fait. D'autre côté, on a la pote qui a fini BKB et qui s'est offert une petite Crystallis. Ça s'appelle toujours Crystallis? Je sais que l'autre s'appelle Daedalus, ouais, ça s'appelle toujours Crystallis. Non, je dis pas de conneries. Et c'est un peu tout, malheureusement. Ah, dagger qui a quand même été faite sur le Slardar après la BKB. C'est plus safe, ça. Alors Ouais, il y c'est vrai que a. maintenant qu'ils ont les BKB un peu, ils peuvent plus rentrer dedans en ignorant l'ulti-Sand King. Ouais. Et je sais pas s'il y a une pipe d'ailleurs côté. Ce serait vraiment intéressant côté M5 d'avoir une pipe. J'ai pas l'impression que quelqu'un se dirige vers une pipe. C'est dommage. C'est Tu sais, vraiment je pense dommage. qu'avec les deux héros les plus importants qui ont leur BKB, c'est pas vraiment essentiel en Bah ouais, fait. mais au final avec l'ulti A, ça veut dire que le mécasme va pas pouvoir être toujours utilisé. Au moins la pipe permet de passer sur l'ulti A et de limiter tous les dégâts quoi, alors que le mécasme non. Ouais. Je sais pas. J'aurais trouvé Oui. ça intéressant par Ce exemple serait sur la bien, mais Leash ou. je préfère qu'il soit parti sur BKB pote, mais BKB Slardar, plutôt que de se dire on fait une pipe pour Ah ouais, limiter mais les c'est dégâts. pas Slardar ou Potm de la sortir à mon avis. Ouais, Effectivement, clairement. mais. Ah, c'est reparti, c'est le raid. Ah putain, effectivement, toutes les 2 minutes 40. C'est reparti. Ouais. Ils sont repartis, allez. On les regarde, c'est parti. Ils connaissent le rip-hop des N9 dans les mois. Oh putain, Y a tu une m'as bien sentry, eu. hein, y a une sentry, hein. Ils vont passer sur la sentry. Il y a une arrow Ils qui est sont. lancée. Ouh! Oh, le Furion qui prend une superbe arrow. Le Crow qui reculait. Un superbe engage de Sardar qui va directement fumer le Furion. La Weaver qui est derrière qui fait beaucoup de dégâts. Le Dazzle qui a plus beaucoup de points de vie. Un ulti Leash qui est complètement loupé. Les Ward Rasa qui sont mis. Weaver qui est toujours derrière qui fait des kills. Dendi aussi d'ailleurs. Dendi qui est d'ailleurs allé dedans. Qui va aller fumer le Sand King. Non. Et Weaver qui est encore dans le coin mais qui kill encore tout le monde. Surtout avec l'ulti Rasta juste à côté. Et elle est. Ouais, elle a plus d'ulti. Oh, dommage, Santa, il avait très très bien joué le coup. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir, hein? Je pense que dès que la bestiole va dépop du Slardar, il va pouvoir blinker ça. Oh, même pas besoin, un petit crit de Dendi, et ça suffira. Bon, et ben là ils vont reculer de toute façon. Oui, bon, ils vont back. Ils ont sauvegardé la Aegis, et Dendi qui a fait un bon travail de repousser AA et Sand King dans leur base et de couper la fight en deux. Et en même temps, de l'autre côté, la Weaver a fait exactement pareil avec la Leash et la Wind. Mais Y a c'est une quand même un gemme hein, fight qui se finit. sur le SK. D'accord, c'est quand même un fight qui se finit à l'avantage de M5. Ouais, Nettement. largement. Ce qu'ils vont quand même réussir à concrétiser en prenant une tour, je pense même pas qu'ils arriveront. Il y a une engage sur Dendi qui TP directement. Mais du coup il cancelle le TP pour kill avec le Slardar. C'est très très bien joué.
Dendi, du coup, qui a pas son CD de libre. Bon, il a Aegis, mais il va sûrement. Il va. Ah, Ils vont venir l'aider, hein, les ouais, mais M5, ils vont ils ont venir l'aider. claqué tous les disables en plus, les N9. Le leap à la sortie du. À la sortie du AI, c'était très beau. Une la pierre Ouais, j'ai tombale qui bien a aimé. sauté. Ça fait Bot Miss Back. Wow. Et du coup, ouais, ça y est, les M5 qui prennent un peu l'avantage. Mais là, ils peuvent même. Est-ce qu'ils peuvent véritablement prétendre à la Rax? Son Ouais, clé est je mort. suis. Ah, est mort. Il y a plus d'AOE pour des push. En tout Mais il y a cas, il y Weaver, a. hein. Ouais, il y a la Weaver, certes. Mais moi, je pense qu'ils peuvent prétendre à chercher la Rax là. Il y a vraiment moyen. Okay, bon, le problème c'est peut-être la mana du Stardar. Le Stardar a vraiment plus de mana du tout. Il a pas de quoi engager. Est-ce qu'ils ont des mana boots? Ils ont pas de mana boots. Non, je pense qu'ils vont se contenter de ça. Ouh, par contre, ça a engagé là du côté de N9 qui ont essayé tant bien que mal d'engager la Windrunner. Ça a raté. Dendi qui a claqué le BKB, leap offensif et qui a réussi à tuer le Rasta. Il va commencer à travailler le Furion. Il a fini par se faire avec la fin de son BKB, mais peu importe. C'est God qui va terminer le Furion. Le heal qui malheureusement ne suffira pas à sauver Dendi. Et la fight va s'arrêter là. Et M5 qui est toujours dans la base de N9 mais qui va reculer maintenant. Qui ont quand même encore réussi à faire 3 kills au prix d'une pote, mais uniquement d'une pote. Mais peut-être que la fourmi, elle va pas donner son miam, alors elle va peut-être aller chercher Oh des kills. non, pitié. Ouais, c'est BO3, hein. Il y a quelqu'un qui est parti en disant GL pour le BO5. Non, non, il n'y a pas de BO5. C'est BO3. Mais heureusement, en même temps, parce que sinon... Sinon, ça va être très compliqué pour nous. La Mirana qui va par e-buy, qui a un peu d'argent en stock. Qui va peut-être finir son Daedalus. Ça pourrait être intéressant, elle a quand même 4K gold, la Mirana. Il y a plein de gold aussi sur le Slardar. M5 qui commence à avoir les finances qui se sentent bien. Là, il y a 2K sur la Wind, il y a 3K sur le Slardar. Tu disais qu'il y avait aussi 3K à peu près sur la pote. 4 4K. même. 4. Même la Lich qui bonk un peu, qui a bientôt fini son Aga, et le Dazzle à 1600 gold. Ouais, ils ont renfloué les finances là. Ouais, donc le Dazzle qui va pouvoir finir son Django, je pense. Et ouais, la Lich qui est à 1K du Aga. Alors je sais pas ce qu'il va faire du coup Slardar. Je pense qu'il veut vraiment garder sa Killing Blade. Vraiment important pour lui. Je suis pas sûr qu'il puisse vraiment s'en séparer. Ça leur ferait du bien d'avoir une cuirasse, mais maintenant c'est. Enfin voilà quoi, c'est pas l'item le plus simple à faire. Étant donné qu'il y a quand même une cuirasse en face, ça permettrait de la nullifier et de profiter de l'aura d'attaque speed. Ouais, du coup, Dendi qui va finir son Daedalus et qui va faire énormément de dégâts, il va pouvoir crit autour de 600, je pense. Ouais, ça va être quelque chose du genre, je pense. Et c'est pas négligeable. Ah, surtout avec l'ulti Slardar au final. Ouais. Il va l'acheter au passage? Non, il l'achète pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, peut-être qu'il va garder pour rebuy ou Ok, peut-être intérêt qu'il va d'avoir juste pas acheté le penser. récip. Il Ouais, y a pas pensé. il va y aller, il va l'acheter. Tant qu'il trouve l'item, c'est là que ça Voilà. se passe. Voilà. 2,5 de critique. Et à étape à 245. Voilà, à peu près 600. Du côté N9, est-ce que ça a sorti des gros items? Toujours BKB dagger sur le Rasta, toujours dagger plate mail sur le Sand King, Django sur la Furion cuirasse. Furion, il a cuirasse et Hex. Et ouais, la Weaver. Elle commence à travailler sur un Manta. Moi je pense qu'il aurait dû la faire bien avant le Manta pour dispel l'ulti Slardar. Avant le BKB. Mais mieux vaut tard que jamais. Il va travailler sur un mental. Et du coup, le Roshan carry pop. Et c'est les N9 qui s'en emparent. Voilà, j'espère que. J'espère. Ah, il va pas. Ah, bah, ils s'en vont. Bah, ils ont de la C'est chance, un quoi. Roshan à fromage, ça, en plus. Ouais, c'est un Roshan à fromage. On peut le voir sur Roshan d'ailleurs. Ouais, N9 qui tombe pas Rochon aussi vite que ce que
Plus quand même pas, il pourrait le faire avec l'ulti Cerner. Ah non, largement pas, et surtout Dendi qui va pouvoir faire des crits énormes dessus, qui va le tomber très très vite. D'ailleurs, ils vont déward et préparer gentiment le terrain. Mais il faut pas vraiment faire rochon droit derrière le déward parce que c'est un peu obvious. Une arrow pour repérer ce qui se passe. L'arrow qui voit, je pense, le Weaver. Et ouais, et les arbres du Furion qui sont placés en rochon pour être sûr. Au cas où M5 tenterait de rentrer en smoke ou autre chose, il n'y a aucune chance que ça se passe comme ça. Il y en a qui demandent le fromage, effectivement, on n'a jamais expliqué. Le fromage, en fait, c'est un objet qui drop lors de la troisième mort de Roshan et qui, comme vous pouvez le lire sur mon écran, permet lorsqu'il est utilisé de redonner 2500 points de vie et 1000 points de mana. Donc c'est un objet qu'on utilise et qui donne instantanément des points de vie. Donc c'est effectivement une sorte d'Aegis, sauf qu'il faut pouvoir l'utiliser. Donc il y en a qui le vendent parce qu'il se vend 500 gold le fromage. Donc il y a des joueurs qui, des équipes qui préfèrent le vendre, alors qu'une Naro va toucher, non. Non, elle va Non, pas mais elle a tout toucher, lu par contre. alors que Stardar a engagé, hein. Il n'est pas encore en BKB. Ah, d'ailleurs, il n'a pas voulu l'activer, c'est dommage, parce que du coup, il va prendre énormément de dégâts. Il n'a toujours pas... le Rastak a du coup dû claquer son ulti et qui est mort. Et ça fait du gold. Ça va probablement offrir Roshan à M5, ça. Ouais. C'est l'euro pour M5. Bah. Il n'y a rien du tout que N9 puisse faire pour ça. D'ailleurs, on voit la vitesse à laquelle il tombe. On va voir sur qui vont partir la Aegis et le Cheese. Fait des critiques à 834 La dessus. Aegis sur la pote et le Cheese sur le Stardar. Donc le Stardar qui a drop la Killing Blade pour prendre le Et fromage. qui a 4000 gold. Hein. Je sais pas, ils doivent avoir une gemme. Ouais. Ils ont une gemme sur le Dazzle. C'est bien ce que je me disais. Omelette du fromage. On voit l'ultia avec la gemme, hein, c'est ça? Ouais, on va arriver l'ultia. Et les M5 qui se regroupent pour push, la NN qui sont pas si bien, le Furion c'est très bien joué qui décide d'aller push top, ça c'est important. Et le Weaver qui vient de finir son Manta Stay, hein, pile au bon moment. Et les M5 du coup qui reculent. Ouais, ils ont pas grande raison de se commit là-dessus, ils vont peut-être essayer de choper son king. Ouh, ça va être tendu. Ouh, il a pas passé loin de se faire accrocher par la poiscaille. Non. Ouais, les M5 ont pas vraiment. Y a pas de raison qu'ils continuent à essayer de push mid. Au final, ils viennent de gagner un fight, ils viennent de s'assurer au champ, ils ont des lanes à repush. Est-ce que la Wind a... Ah, la Wind a fini à Hex quand même, tiens. Et un Ghost Scepter sur Orasta. Et la Liche travaillait sur son Aghanim, elle le finit à l'instant. Donc Aga sur la Liche, si elle passe 16, elle en est pas loin, ça peut vite faire hein, la différence en teamfight. Hein. Alors qu'on a le Rasta qui engage en bas, il a Blink sur le Dazzle, il enchaîne avec un Hex et le Dazzle qui s'est fait choper instantanément, et N9 qui récupère la gemme avec ça. Ils viennent de récupérer la gemme et l'ulti POTM a été proc. Est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça les Navi? Je suis pas persuadé, quoi qu'il en soit, N9 décide de reculer, je pense que c'est une sage décision. Ils sont venus, ils ont tué un Dazzle et ils ont récupéré la gemme. Est-ce qu'ils vont essayer de choper un mec qui aurait traîné pour farmer? Peut-être envoyer la Weaver en bait. Alors Rasta est en invise. Mon bon Lulu, es-tu là? Ouais, je suis. Tu t'endors devant le PC. Non, enfin, j'essaie de pas m'endormir en tout cas. Ah putain, je commence à avoir le rire nerveux, ça commence à être difficile. Non, j'essayais de regarder, il y a Lowland Lion qui a annoncé son équipe en tant que good manager, j'allais check vu qu'on les avait contactés, mais qu'ils avaient pas le budget pour nous prendre. Donc du coup, bah, j'essaie de regarder, mais je vais pas le tab.
Je suis en train de quand même de record une game de 53 minutes, donc on n'est pas loin de la game de 1h30 que j'avais dit tout à l'heure. Donc merci à eux de faire ça. Je suis vraiment très content. Parce qu'il est quand même presque 1h et que voilà. Alors, M5. Mais on sent que M5 commence à prendre du poil de la bête dans cette partie-là. Ils se sentent de plus en plus confiants sur le stuff qu'ils ont sur leur héros. Ils commencent à stuffer un petit peu tout le monde, la gueule qui a terminé sur la liche, etc. Ça. Et une pote me full stuff, ça fait quand même sacrément mal. Bon, elle a travel plus Alors, trade. attends, on me dit que ça lag. Super, il est 1h du matin, les gars. Merci quoi. Alors, je vais aller check rapidement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de ping particulier, je sais pas. Je sais pas du tout. Refresh, faites peut-être un petit refresh. Vous avez peut-être trop de cache sur votre browser. Je sais pas du tout. Non, il y a des gens qui disent que c'est nickel et d'autres qui disent que ça Ouais, freeze un donc. peu. Là, on a peut-être un fake qui va se préparer. Non, c'est parti, la POT m'a trigger le montant, ils vont commencer à taper la tour. Il laisse bien Dendy loin devant à taper la tour, étant donné qu'il est à la Aegis. Il y a eu un peu de ping en arrière, je sais pas trop pourquoi. Ouais, le Spardar est encore loin, c'est peut-être pour dire, attendez-moi les poteaux, je suis loin. Et ouais, bon, en tout cas, le fake a l'air de vouloir y aller, là. Il push un petit peu sur un timing bizarre où il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il push maintenant. Mais ils se sentent suffisamment confiants pour y aller. Alors, où je suis un... Oh, Oh, attention. un excellent force stuff sur la Weaver, mon dieu, elle s'est fait force stuff au mieux de tout le monde. Par contre, le Sand King, tout aussi excellent qu'à... Avant d'avoir raté son ulti, il vient d'en tuer deux instantanément, les deux qui n'ont pas de câble. Ainsi que la Potm qui repop avec les Aegis, le Stardar qui se fait presque shutdown mais qui trigger le cheese. Comme ça vous pouvez voir le fromage à l'action, il y a l'ulti POTM pour tenter de s'enfuir, ça ne sert à rien étant les KNG en face, le Stardar qui va mourir sous la durée du shackle shot du Resta, et ça va même essayer de chase la Windrunner. Ça, je pense pas que ça donne quoi que ce soit. Et oh, quoi qu'avec le Furion peut-être. Ok, la POTM est tranquille. La Windrunner continue toujours de courir un peu partout. Est-ce qu'elle va réussir à TP? Oh, le Rasta qui rate son blink et ni l'un ni l'autre n'aura eu le temps de Hex. La Win qui s'en sort et ben ouais, ben M5 qui s'est pris un mur lors de leur tentative de push. Ils perdent le Cheese, ils perdent l'Aegis, ils perdent 3 héros. Ils sont en train de perdre le shootcaster français. Non, moi je suis. Ouais, je vous avoue, être de moins en moins dans la partie, tout simplement parce que je suis vraiment très fatigué. 4800 gold sur Dendy, qui, comme vous le voyez, a deux bottes. Une pour chaque pied. Enfin, même une pour son tigre, je pense. Une paire pour son tigre, à mon avis. Et du coup, la NN en profite pour push. C'est une game très très tendue, hein. Vraiment une game de finale comme on les aime. Sauf que c'est à 1h du matin, c'est dommage, mais sinon c'est vraiment très très tendu, très intéressante comme partie. Dendy qui revient, qui a plus du tout de mana et qui vont perdre, ils vont perdre la tour les M5. Voilà, c'est une game, et là c'est vraiment la bulle, hein. C'est première erreur, c'est les racks qui tombent d'un côté ou de l'autre. Ouais, complètement, là, Alors on me c'est demande si vraiment... ça marche les bots sur le tigre, alors pas du tout, faut pas du tout me croire. Il est 1h du matin, ne crois plus du tout ce que je dis. C'était une blague, alors qu'il y a une enquête sur Sardar. Oh! Très, très bel engage du Rasta qui va peut-être permettre de tuer, qui permet de tuer le Sardar. Et derrière les M5 Mais... qui se sont peut-être un peu commit, notamment le Dazzle, qui a fait un Ghost Staff, mais qui va pas sauver, si, avec un superbe. Superbe Grave, mais est-ce que ça va le sauver? Je suis pas sûr. Le Dazzle est quand même mort. Le Sand King aussi. Il y a eu un rebuy du côté SK. Il me semble même avoir entendu un deuxième rebuy. Alors que le Furion, bah, il prend des arrows de partout. Voilà. La Weaver avait rebuy. Mais ils ont tous rebuy, hein, côté N9. Ils savent que le Slardar peut pas rebuy. Ils ont dit qu'il vient d'acheter sa cuirasse. Ils sont persuadés qu'il a pas de thune. Ils ont encore 45 secondes sans le Slardar et 30
sans le Dazzle. Donc c'est des Reboy avec lesquels ils veulent aller chercher la race. C'est relativement intelligent à C'est condition très. qu'ils arrivent à Ouais, concrétiser. Là, faut là il faut vraiment. prendre deux. Dans l'idéal, il faut prendre deux sides là-dessus. Et Il d'ailleurs, est. ils vont essayer d'engager Dendy, c'est bien joué, il y a un bon ex dessus. Oh, le Force Staff qui le sauve de justesse de l'ulti A qui lui aurait tapé sur la gueule et qui aurait suffi à le tuer. Ils vont donc s'assurer le side mid. Est-ce qu'ils vont continuer à essayer de prendre le side en haut? Je pense qu'ils devraient. Et d'ailleurs, ils vont essayer de le faire avec la cuirasse, etc. Ça peut tomber très très vite. Encore 10 secondes Faut avant qu'il ce def, quart-là, hein. Faut c'est ton buff. absolument qu'il def les. Les M5, sinon ils vont perdre sur cette partie. Il y a un ulti. Et Weaver qui va L'ulti finir. Lich qui a été mis mais qui a boon sur les creeps et la Weaver qui s'assure les racks. Et alors là M5 est bloqué. ouais, N9 qui prend une option monstrueuse sur la victoire. Parce que c'est certes deux sides à 60 minutes de game, c'est pas. Enfin, ça veut pas dire game terminé. Mais deux sides plus un Furion qui repêche toutes les lignes à 60 minutes de game, c'est presque terminé. Alors que là, qui dit please dans le chat alors qu'il se fait courir après. Ouais, N9 qui prend quand même une grosse, grosse, grosse option sur la victoire là. Et les buybacks, on voit beaucoup de buybacks pas malins dans les games. De buybacks parce que oh, je suis mort et ça me fait chier d'attendre. De Un buybacks peu à parce la que Vojak oh, j'avais et save ma ouais, un peu thune. à la Vojak quoi ouais, qui buyback minute 1 parce qu'il s'est fait faire de blood mid. Si, ça t'est déjà arrivé. Ah oui, sans aucune hésitation. Mais ça c'était des buybacks vraiment intelligents. Comme je l'ai dit, ils savaient que le Slardar ne pouvait pas rebuy. Bon bah voilà, M5 qui est obligé de défendre. Et ils vont en smoke. Ouais, ça fait plus de 2 minutes 40 qu'ils sont pas allés par là. Alors ils vont redécouvrir le chemin. C'est Voilà, l'heure du raid. faut faire attention à le Rasta, que fais-tu? Non, ils ont vu personne, du coup ils se sont révélés, j'ai l'impression. Ils peuvent encore gagner la game sur une action comme ça. Hein. C'est prendre la vague de creep. Arriver à prendre la vague de creep alors qu'il y a un ulti Fumerion qui vient de tout clean. Arriver à prendre la vague de creep et raser la base sur un push. C'est faisable. Mais c'est vraiment la seule manière qu'ils ont de gagner. Parce que agoniser, ils peuvent agoniser encore un bon M5 à défendre là-bas, à Et il y a se le faire un Roshan qui R1. repop. Et du coup direct ils y vont. Très très bien joué de la part de la Windrunner qui l'a directement check. Tiens, je savais pas qu'on pouvait accrocher à une toile d'araignée Roshan. Pour un nouvel. Oh là, il y a un ulti hack qui va arriver. Ouais, là, ça va être la fin des M5 s'ils n'arrivent pas à faire un beau fight. Et c'est la Windrunner qui prend la Aegis. Ah, M5 qui a eu chaud. Hein. M5 qui a eu chaud. Ouais, ils ont eu sacrément chaud. Tiens, un petit fun fact que vous sachiez, n'utilisez jamais un cheese pendant l'effet d'un ulti AA. L'ulti AA arrête toutes sortes de heals, y compris l'utilisation du cheese. Vous utilisez un cheese pendant l'ulti AA, vous régénérez 0 point de vie. Dota Meatbuster. Bye Voja. Et du coup, bah les M5 qui sont contre un ADF et les N9 qui se disent, de toute façon nous on est levé, on a toute la journée devant nous. On va attendre un peu. Et bah merci à eux. C'est presque officiel, je les déteste. Mais en tout cas, non, c'est vrai qu'ils jouent très très bien. Et puis ils prennent pas de risques, quoi. C'est vraiment. Bon, ils en ont pris. Mirana a fini Butterfly, ça c'est intéressant. Bah, je crois que les gars, je crois qu'il y a personne qui va gagner, hein, parce que ça fait déjà 1 heure que ça joue. Je suis pas sûr qu'il y ait des connards qui aient misé sur 1 heure de game. Ah ouais. Mais tu vas quand même devoir check, hein, tu donnes à celui qui est le plus proche. Ouais, je donne à celui qui est le plus proche, ouais. Même si tout le monde a répondu en dessous de 20 minutes et que celui qui a gagné il a 21 minutes, il a gagné quand même. Ouais, il a quand même gagné, effectivement. Alors la partie qui se joue toujours, c'est une très belle partie, n'empêche. Ouais, ceci dit, si on était en meilleur état pour caster, c'est une très belle game qu'on a sous les yeux. C'est vraiment une game sympa. Non mais. 6300 gold sur le Furion.
Je sais pas du tout ce qu'il fait. Il vient d'acheter une Ultimate Orb pour une raison qui m'échappe complètement alors qu'il a une Demon Edge. Qu'est-ce qu'il va faire? On peut rien faire avec Demon Edge plus Ultimate Orb. Il va vendre. Qu'est-ce qu'il vient de vendre? Il y a un médaillon. Ah ok, médaillon. Et il s'apporte une Ultimate Orb. Je sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je n'ai plus le courage de réfléchir de toute manière. Ok. Parce que ouais, le Stardar a toujours ses cuirasses. Stardar qui a pas de quoi back au cas où. Dazzle, il a pas eu de nouvel item depuis. La Leech n'a pas eu de nouvel item depuis. Butter sur la pote, tu l'as dit, un slick du lifesteal. Alors quand j'ai Mais il dit y a un héros que j'ai pas tué là. les Win. connards Isildur, c'était si je vous parlais des connards qui auraient mis plus d'une heure de game pour nous voir souffrir. Voilà, je pensais à eux. Mais je pense pas qu'il y en ait justement, parce que vous êtes des mecs bien. Le Furion qui TP sur Dendi, non, il cancel. Tiens, la Aegis qui est sur la win, c'est vrai qu'elle commence à avoir du stuff aussi la win là. Ouais, et commence à faire un peu de Elle dégâts. Hein. a la MKB, Ginzu, Je enfin, pense qu'ils sont Ex, tous en pardon. train d'économiser. Il y a déjà deux Boots of Travel, Windrunner et Pot. Et du coup, ils vont pouvoir push très rapidement s'il y a une erreur côté N9. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ouais, je pense que c'est plus pour pouvoir bien jump entre les lanes pour des push qui font ces travels parce que. Le souci va être qu'ils auront jamais des creeps en position sur lesquels pour pouvoir sur lesquels pouvoir travel offensivement à cause de l'ulti Furion. Tu vois. Oui, je vois, oui. J'ai mis. Ok. Je veux que je te dise, j'aurais pu dire choucroute, choucroute, chocolat, pétunia, et j'aurais dit je vois à la fin, t'aurais dit oui, je vois. C'est vraiment ça. Mais je suis d'accord avec toi, si on peut le dire. Je pense que ce que tu as dit, c'était très intéressant et que tous nos viewers ont écouté. Allez, je me tue encore un peu plus la santé. Allez, attention, est-ce qu'il y a une smoke? Non, il n'y a pas de smoke. Ah, dommage, il aurait pu refaire le petit move. Ah ouais, le Alors, raid. là, ils sont encore en période de farm, 66 minutes. C'est vraiment la période de farm habituelle des parties. C'est-à-dire qu'entre 60 et 70 minutes, il y a une période de farm pour que les héros puissent se stuff. C'est ce qui se passe dans toutes les parties, de toute manière, vous le verrez. Normalement, on commence, il y a quelques kills, elle a 80, 85. Voilà, donc ça c'est vraiment le nouveau Dota 2 qui permet d'avoir des games plus longues, plus serrées stratégiquement et qui permet vraiment de faire durer le plaisir. Parce que là c'est vraiment ce qu'on appelle Ouais. faire durer le plaisir. Ça va être free to play et si jamais vous faites des games à moins de 60 minutes, vous perdez vos accès. Voilà, donc C'est faites pas vrai, on fait attention. pas pour le free to play. Ah la vache. Eh, ça commence. Non mais ça commence vraiment à être long. On commence vraiment à se rapprocher des 1h30 que je disais en rigolant tout à l'heure. Je voulais pas y croire, mais si. T'as vu une game Tireblompon comme ça qu'on avait cast aussi? Qu'est-ce que c'était? Je Je me sais rappelle plus ce que avoir c'était. cast une game Tireblompon longue avec toi aussi. C'était pas 1 heure du mat. Non, C'est un non, non, truc un peu. Zashun, le record de partie est de. Alors, c'était une game d'une LAN russe qui a duré 2h30 sans pause. Donc voilà, et ça se battait à méga C'était creep avec contre méga creep. S. J'avais cassé Io Fnatic et c'est le cast avait duré plus de 2 heures, mais parce qu'on avait dû attendre Io 45 minutes, etc. Voilà, C'était ouais. un fou. Mais attention, il y a une engage sur Dendi. Oh là là, bah voilà, c'est peut-être la fin de la partie. Dendi qui met son ulti et son BKB, donc il va s'en sortir. Merci à lui, ça permet de faire Wow. durer un peu la partie. Mais c'est sacrément bien joué comme ils s'en sortent. Enfin, c'est propre. Il avait un seul endroit par lequel il pouvait passer pour s'en sortir. Une seule manière de combiner son BKB TP libre, c'était celle-là, et il l'a fait, et c'était vraiment, vraiment très propre. Ouais. Là, on voit, c'est sur ces petits détails qu'on voit vraiment la qualité des joueurs, c'est capacité d'analyse très très rapide. Ou alors, il a peut-être eu le bon feeling sur le bon moment, et un peu de bol, mais maintenant, Dendi, c'est vraiment une capacité d'analyse, c'est, tiens, je vois ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir? Ça, et bam, il le fait. Donc comme je disais, hein, 2h30, Zushun, voilà. 2h30 de game, alors j'espère sincèrement qu'on n'y arrivera pas. Parce que là, c'est sûr et certain, j'ai même pas besoin de me faire un arrêt de travail, je n'y vais pas tout simplement. Ça m'étonnerait de toute façon, mais c'était parti à méga creep contre méga creep. C'est dans une version un peu plus antérieure où les daggers étaient pas encore disable. Donc ça permettait vraiment
Bah ça jouait un peu à la LOL au final, hein. C'est vraiment C'était pas la ça. game où il y avait eu avec les chickens qui portaient les rapières? Ouais. C'était pas ça. C'était celle-là? Oui, ça portait les rapières avec les chickens. C'était affreux. Ah, c'était Elle complètement était affreux comme complètement partie, je me affreuse. souviens, je vais réussir à le regarder en entier. Le replay, il faisait la taille d'un film, c'était complètement... c'était horrible. Ah, si tu pourrais là le F4, le machin des Kurengold, tu vas te rendre compte qu'on tente quand même avec. Oh, alors qu'on a de nouveau un engage sur Dendi en haut, pardon. Et cette fois-ci, ils vont réussir à la tuer. Mais par contre, oh, il a de quoi buyback, ouais. Je disais, le Kurengold, il y a quand même 3 à 4 héros dans la game qui tournent au. 2 héros, hein, qui tournent à presque 7K gold. Alors ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux ouvrir la différence de gold? On est à 70 minutes de jeu. Et il n'y a même pas de 4 diff, putain. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Ça montre à quel point la partie est serrée. Dendi qui va tempo le buyback au max pour laisser croire à NN qu'ils ont une occasion de finir là-dessus, mais je pense que NN sont pas débiles, oh, ils ont vu le buter il y a déjà un moment, ils savent que Dendi a la thune, a de quoi buyback. D'ailleurs, il va buyback et ils vont engager, c'est parti, ça c'est le fight final de la game, je pense. Tiens, Dark a pris son mecha, mais un petit peu tôt, il va vite être out, mais quoi qu'il en soit, ils arrivent à instant à Weaver, le Furion qui tente de TP en bas pour mettre la pression. Est-ce qu'il va pouvoir push assez vite et prendre M5 hors position? Non, c'est visiblement pas le cas, et ça va même pas du tout être le dernier fight de la partie, étant donné que ça va s'arrêter à un kill qui se termine en buyback. Oh, j'avais tellement envie que ça soit ça. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les games avant qu'il y ait les cooldowns sur les buybacks. Où tu tuais la Dusa, quel C'est pas buyback, très la vieux, retue, le hein. re-buyback. Parce qu'actuellement, un buyback, donc un buyback, je vous rappelle, c'est quand on meurt, on peut se racheter en fait pour une certaine somme d'argent. Donc là, actuellement, le buyback il est assez énorme. Par exemple, pour la Mirana qui est niveau 25, le buyback est de 2095, donc c'est vraiment énorme. Là, vous voyez, avec 2000, sachant qu'elle va en perdre, il lui faut au minimum 3000, 3500, je dirais, pour espérer pouvoir se racheter. Et auparavant, le buyback n'était pas limité en temps, c'est-à-dire que vous pouviez buyback, foncer dans l'ennemi et rebuyback. Donc vous aviez Maintenant, de la thune, vous pouvez buyback quoi. voilà, C'est donc aussi simple que il y ça. avait des, par exemple, des. Je me souviens d'une exemple de game chinoise où il y avait eu, je sais plus combien de buyback, mais vraiment beaucoup pour une game qui avait duré 1h30, 2h. Et c'était vraiment beaucoup trop. Et donc, Icefrog a changé alors qu'il y a un combat qui s'engage, un combat complètement. Complètement, le Dazzle qui tombe très, très, très rapidement. Alors à côté, le Shadow Shaman qui s'en sort à peu près bien, la Windrunner qui tombe aussi, qui a la Aegis qui va repop. Le Rastaka tomber, le Sand King, non, ouais, le Sand King qui a rebuy. Pour l'instant, c'est Ouais, une Sunking. fight plutôt à l'avantage des M5. Il faudrait qu'ils arrivent vraiment à choper la Weaver. La Weaver, elle a plus de buyback, hein. Elle est en CD. Non, ils vont pas réussir à choper alors que le Furion push. Le Furion push les Ouais. Rax. Elles sont à mi-HP les Rax. Ouais, il tape très très rapidement. Est-ce qu'il va réussir à choper? Je pense qu'il va réussir à la choper cette Rax. Non, c'est même pas sûr. Ah, le Furion qui prend la bonne décision, c'est la décision lame, hein. Ça c'est la Ouais, décision où c'est la il décision va lame. prendre un foot d'insultes monstrueux sur les forums, etc. Mais à ce stade-là, c'est autorisé par le mécanisme du jeu de backdoor tant qu'il y a des creeps dans la base adverse, il n'y a pas de protection, il peut le faire. Il a le droit, c'est pas très cool, mais il a le droit, et à ce stade-là, il a raison. Et d'ailleurs, il a instantanément buyback et ils vont aller se faire rochon. C'est stratégiquement parlant, c'est excellent ce qu'il a fait. Après, c'est lame. Mais stratégiquement parlant, c'est Il est excellent. complètement full slot, le Furion. Ah ouais, non, le Furion, il peut vendre ses trades. Honnêtement, là, il vend ses trades et il fait un dernier item. Est-ce qu'il a un orb effect? Il a pas d'orb effect, non, c'est dommage ça. Je verrais Un bien petit désolateur un par petit exemple. déso ou un petit Ouais. lifesteal, soit l'un soit Oh, l'autre. un petit satanique. Un satanique, Ouais. ça le boosterait. Alors, Peut-être une diffus aussi pour kick le sprint, enfin, ouais, l'armure leaf, enfin, tout serait bien là. Ce serait pas mal. en M5, de toute Quoi façon, c'est la dernière partie, donc il va aller jusqu'au bout. 36-36 au kill score, l'avantage de gold à moins de 2K, c'est vous vouliez une finale baleine, c'est late game. C'est bon, j'ai failli dire une finale macro, tu vois. Une macro game, oui, une finale Les deux macro. équipes, ils ont combien? Ils ont farmé plus de 110 000 gold chacun. Ah, ils sont au moins sur B5. Ah ouais, non, ils sont au moins sur B5. Mais il y a quand même des héros qui se traînent en termes de stuff. Le Rasta, ça fait même 10 plombes Ouais, qu'il a plus sorti et un le item, SK quoi. aussi, hein. Le SK Ouais, le aussi. SK, pareil. Il commençait son Shiva, on était à la 25e. Ouais.
Donc le SK il a plus rien acheté, le AA c'est pareil, il y a juste la Weaver et le Furion qui font la game. De l'autre côté il y a le Dazzle qui a sorti un peu de stuff, enfin qui a sorti Ghost Staff, Mais bah Dendymon bien sûr, et c'est tout y a là. Trèfle qui va y aller, hein. Là, on a peut-être un base race. Oh, comment ça me ferait plaisir que ce soit un base race. Non, ça va TP back. Ça va TP back. Et là, ça va engager directement sur le premier qui va TP. La Weaver qui a mal TP, qui a TP vraiment au mauvais endroit et qui va se faire instantanément saucer. Non, elle a réussi à caser le timelapse. Le Rasta a été forcé de Bing Dental. Il y a un très bon ulti son King qui va mieux tout le monde. Mais il y a les BKB qui sont pop. Le Shadow Shaman qui va finir par mourir. Ainsi que la Windrunner. Il y a du buyback de partout. Ça spam les buybacks à MM5 qui pour le moment a l'avantage sur cette fight. La Weaver qui est au milieu du taille. La Weaver qui commence à faire tellement de dégâts que les MM5 sont obligés de reculer. Le Slardar qui va finir par mourir. On devrait le voir buyback instantanément. Effectivement, c'est le cas. Et alors, il y a eu 50 millions de morts sur ce fight. Et au final, il n'y a que le Dazzle qui doit attendre pour revivre. Parce qu'ils ont tous cliqué sur Buyback. La vache. Oh punaise. Et alors, je sais pas si la Weaver a Buyback. Je sais qu'elle a cramé la Non, non, Aegis. elle a pas buyback. De Ils ont toujours le cheese sur le Furion. toute Mais du façon, coup, ça je libère pense un que kill. la Weaver était toujours en CD. Ah, c'est possible, ouais. Et N9 qui sait que Navi n'a plus de buyback sur le Slardar, en tout cas, ainsi que sur la Windrunner, si je me trompe pas. Donc, ils vont essayer d'aller les pick-off. Ou M5 qui vont rentrer donc directement le Slardar qui a Blink dans le tas, qui fonce tout de suite sur le Furion, pendant que Dendy a tué le Shadow Shaman. Ils vont réussir à en tuer deux instantanément. Ils ont tué deux le Cold Feet qui approche sur la Alors que la POTM. Weaver, qui va tuer la Raxx qui tombe, il en reste plus qu'une. Alors je vous rappelle, hein, quand toutes les Raxx tombent, c'est le méga creep, et le méga creep, ça rigole zéro. Ah ouais, méga creep, c'est la fin de la game. Divine Rapière sur la potme. D'accord. D'accord. Bon bah voilà, Divine Rapière 250 damage, je vous rappelle que si Mirana meurt, bah, ils vont rush. Ils vont y aller. Aïe. Il va y aller, ouais. 1350, les crits de la pote. Je sais pas du tout ce qui est où on est l'état des buybacks. Côté on peut pas voir hein, quand on est en op si les mecs ont les buybacks dispo ou pas. Ah, ça c'est embêtant ça. Ça serait bien qu'ils le mettent. Je sais pas du tout si le Furion peut buyback par exemple. Parce que là, si le Ils font un Furion peut base pas raise. buyback. Regardez la Weaver. Regardez la Weaver. Est-ce qu'elle a un TP pour venir défendre en Non. cas où c'est nécessaire? Ok, donc là, c'est le all-in, comme on dit. C'est la Weaver va essayer, ainsi que le Furion, ils vont aller prendre les méga creeps. Alors là, c'est une situation où le Furion s'est fait cancel son TP. C'est une situation où M5 est obligé de prendre le trône et ils peuvent y arriver, ils peuvent le faire. La Weaver qui va essayer de rester, non, pardon, qui a TP back et qui va essayer d'aller défendre. Et la POTM, que je ne sais pas du tout où elle est au milieu, elle tape avec son Divine Rapière, elle commence à être quand même très très low HP. Est-ce que les M5 vont devoir back? S'ils doivent back, la game est terminée, à proprement parler. Le Dazzle qui finit par mourir, ils se font choper un excellent Stun Son King, et ça devrait annoncer la fin de la game, je La pense. divine rapière qui a été drop. Je sais pas où elle est passée cette divine rapière. Eh ben, c'est la Weaver qui va se la faire. Ultra kill sur la Weaver. Divine Rapière terminée et on voit que les méga creeps attaquent les tours du trône. Et c'est la Ah, fin. encore des méga creeps N9 et qui remplit pas la. Oh là là, c'est quelle partie? une Vraiment partie fantastique, honnêtement. Et tu vraiment une vois. super partie, je dis même GG parce que j'allais me coucher. Et j'ai remercié mon père et ma mère pour m'avoir permis de faire cette game. Mon père et ma mère. Exactement, vous avez très bien entendu. 77 minutes 51. Est-ce que quelqu'un a parié ça? Alors là, s'il y a encore un cuicui qui vient et qui me dit 77 52, je le banne. J'annonce. Honnêtement, je suis un peu triste pour ceux qui ont quitté il y a 20 minutes, parce que c'est vrai que la game était bien chiante il y a 20 minutes. On va partir ça, mais là, alors, les 10 dernières minutes de cette game étaient vraiment vraiment strong. Oui, ben, classique, hein, 632 CS sur le Furion, 620 sur la POTM, normal, hein, je veux dire.